Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Inspiration de la diaspora africaine, la chaîne YouTube qui vous propose des ateliers d'écriture en s'inspirant d'œuvres réalisées par des afrodescendants ou mettant en avant des personnages afrodescendants. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir Mémoire de Porc-Épic d'Alain Mabankou. J'aime beaucoup cet auteur, il a une très très belle écriture et je vous invite à découvrir aussi son reportage Noir en France. Voilà pour l'extrait. À vrai dire, je n'ai rien à envier aux hommes. Je me moque de leur prétendue intelligence puisque j'ai moi-même été longtemps le double de l'homme qu'on appelle qui bandit et qui est mort avant-hier. Moi, je me tairais la plupart du temps, non loin du village. Je ne rejoignais cet homme que tard dans la nuit, lorsque je devais exécuter les missions précises qu'il me confiait. Je suis conscient des représailles que j'aurais subies de sa part s'il m'avait entendu de son vivant me confesser comme maintenant, avec une liberté de ton qu'il aurait prise pour de l'ingratitude. Parce que, mine de rien, il aurait cru sa vie entière que je lui devais quelque chose. Que je n'étais qu'un pauvre figurant qu'il pouvait décider de mon destin comme bon lui semblait. Eh bien, sans vouloir tirer la couverture de mon côté, je peux aussi dire la même chose à son égard, puisque sans moi, il n'aurait été qu'un misérable légume. Sa vie d'humain n'aurait même pas valu 3 gouttelettes de pipi du vieux Porc-Épic qui nous gouvernait à l'époque où je faisais encore partie du monde animal. Voici pour l'extrait. Alors, la proposition d'écriture. Ce que cela m'a inspiré. Votre personnage est sur son lit de mort. Et il fait le vœu, dans son dernier souffle, de se réincarner dans le corps d'un animal. Vous avez le libre choix de l'animal. Il n'y a pas d'animal en particulier. Même si vous avez envie que ça soit une licorne. Voilà, vous pouvez. Bonne création!